Bonjour le frère et sœur. Je ne voulais pas parler de cette chose, mais vu où cette affaire est arrivée, il faut que vraiment j'en parle un peu. Ah! Commençons par la triste nouvelle. Il y a un ami et associé de Davido qui est mort. Et cet ami est ici. On l'appelait Obama DMW. Son vrai nom c'est Habib Ademola Othman. Il est décédé le mardi 29 2021, c'est-à-dire hier. Et apparemment, les gens veulent l'enterrer juste demain, comme il est musulman. Chez les musulmans, quand on meurt, apparemment, on l'enterre vite. C'est peu connu. Ah, mes frères et sœurs, de quoi est-il mort? Selon l'information que nous avons devant nous, on nous dit que le monsieur se plaignait des difficultés respiratoires. Genre, il avait du mal à bien respirer. Donc, il s'est rendu à l'hôpital. Malheureusement, il est décédé quelques heures plus tard. Comment on peut mourir juste comme ça? Comment est-ce qu'on peut, on peut mourir juste comme ça? Non, je ne peux pas croire ça. Je ne peux pas croire ça. Juste comme ça. Ou bien est-ce que vous croyez à ça, mes frères et sœurs? Est-ce que vous croyez à cela? Vraiment, c'est une nouvelle qui. Qui m'étonne, ça a l'air comme ça ressemble à un jeu. C'est comme si c'était de la blague. Genre, on va dire c'est de là à là. C'est de là à là. Moi, je ne comprends pas. Vraiment. Vraiment. Mes condoléances à sa famille, pour commencer. Mes condoléances à tous ses proches. Vraiment, c'est une très mauvaise nouvelle. Vraiment. Mais il y a un problème. Oui, il y a un problème. Et le problème, c'est que depuis un moment, on a commencé à assister à la disparition des proches de Davido. C'est comme si chaque année, l'un de ses proches devait mourir. Ou doit mourir. Je vais faire une vidéo, je pense, hein, sur la chaîne où je voulais parler d'un ami à Davido qui est décédé. Tout le monde sur les réseaux sociaux a commencé à parler. J'ai pour lui dire, mais ah, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Pourquoi est-ce que tes amis meurent? Pourquoi est-ce que chaque année, un doit mourir? Pourquoi est-ce que chaque année, un doit mourir? Le temps s'est écoulé. Et voici, nous venons d'apprendre la disparition d'un autre ami et d'un autre de ses amis et associés. Qu'est-ce que vous pouvez dire de cela? Qu'est-ce que vous pouvez dire de cela? Il y a un problème sérieux autour de cet homme quand même. Vu les révélations de certains pasteurs qu'on entend sur les réseaux sociaux à ce sujet. Qu'est-ce que c'est pas selon dit? Je vous l'explique rapidement. J'ai entendu par exemple un pasteur qui disait que David va mourir empoisonné. Et empoisonné par qui? Apparemment empoisonné par une personne qui serait dans sa propre maison actuellement. Hein? Ce pasteur est venu donner cette révélation. Nous tous, on a cru que c'était de la blague. Mais regardez ce qui vient de se passer. Regardez ce qui vient de se passer. Et les gens se posent la question, mais ah, qu'est-ce qui ne va pas que s'il y a? Ils posent la question à David aussi. Ah, David,
Faut nous dire où est-ce que tu as mis ta main et puis tes amis sont tous mourus comme ça, un à un chaque année. Mes frères, ce qu'en pensez-vous? Waouh! Adèle, ces gens-là font bien de se poser la question, cette question-là. Ah! Dites-moi, mes frères, ce qu'en pensez-vous? Ah! Qu'est-ce qu'on en pense, Tête? Qu'est-ce qu'on en pense? Parce que ça devient de plus en plus bizarre. Et si ça continue vraiment, ça va être grave. C'est une star de la musique. C'est une star de la musique. Avec tout ce que nous sommes, tu te vois là. Ah, c'est pas bon signe. C'est pas bon signe. Ouais, non. Ça, c'est vraiment pas bon signe du tout. Ça me rappelle un groupe de musiciens. C'est-à-dire, j'étais quatre. Et les quatre n'avaient pas de succès. Pour pouvoir avoir du succès, à un moment donné, ils se sont dit, écoutez, venez voir le voisin marabout pour qu'il nous puisse nous faire quelque chose. Arrivé chez le marabout leur a dit que vous avez du succès, mais avant, vous devez participer à un rituel. Et au cours de ce rituel-là, un parmi vous va avaler un crapaud. Mais celui qui va avaler le crapaud, c'est celui-là qui sera votre chef. C'est-à-dire le leader du groupe. Et voici comment le gars, par des prières mystiques et tout ça, il a réussi à avaler le crapaud. C'est de là que le succès est parti. Il devait continuer à faire ce qu'il faisait. C'est-à-dire, offrir des sacrifices humains à un moment donné. C'est-à-dire, prendre le sang humain des femmes et les verser dans un endroit où ils ont enterré vivant un cabri, un cabri mouton, les choses du genre. Donc, à la fin de leur concert, ils prennent les filles qu'ils aiment bien les suivre, un peu partout courir après eux, et ils sacrifient certaines filles parmi ces filles-là. Mais personne ne savait que c'est ce qui se passait, puisqu'ils le faisaient de façon professionnelle. Mais un jour va venir où l'un parmi celui, l'un jour va venir où celui qui a avalé le crapaud là, il va vomir le crapaud. Ha! Quand il a vomi le crapaud, tous ses amis ont vu que ça, c'était un signe. Du coup, ils sont allés voir en secret le marabout et informer le marabout que leur chef vient de vomir le crapaud. Qu'est-ce qu'on fait? Le marabout leur a dit que s'il a vomi le crapaud, c'est que il doit mourir. Ou bien non. S'il a vomi le crapaud, c'est qu'il doit mourir. Oui, mais comment ça, il doit mourir? On dit, envoyez sa photo ici. Et vous tous, l'un après l'autre, vous allez poignarder sa photo. Maintenant, au prochain concert, laissez-le monter le premier sur le podium. Dès qu'il monte le premier sur le podium, si le concert en même temps, ça ne tue pas, il va mourir. Et tous ces trois autres amis-là, ils étaient informés de ça. Ils savaient que le gars allait mourir. Parce qu'ils ont déjà poignardé sa photo l'un après l'autre sur leur marabout. Voici comment le gars est mort. Quand le gars est mort, ils ont fait une chanson. Et dans cette chanson-là, ils rendaient hommage à cet ami-là, alors que ce sont eux qui l'ont tué. Et tous leurs fans ont chanté cette chanson, croyant que ces gens-là sont en train de soutenir leur ami qui est mort, fallait avoir envie de pleurer. Notre ami, oh! Notre ami est mort, notre ami. Ça, c'était des mensonges. C'était du grand mensonge qu'ils étaient en train de faire. Ha! Voici comment le gars est décédé.
Mais ce n'est pas fini. Quelques temps plus tard, entre toi là, ils se sont dit que bon, il y a un qui a dit que bon, il faut que on se sépare un peu. Moi, je veux faire mon chemin tout seul. J'ai la décision de faire une carrière. Il a décidé de faire une carrière solo. Voici comment il se retrouve en Europe. Et il a laissé ses amis. Mais ce qu'il a oublié, c'est qu'il était lié à eux par un pacte. Il était lié à eux par une alliance et il devait faire le pacte, il devait participer au rituel. Et quand le temps est venu, il n'est pas venu faire le rituel. Il n'a pas participé au rituel. Ses amis l'ont appelé et lui ont dit: Ah, mais qu'est-ce qui se passe avec toi? Pourquoi est-ce que tu ne veux plus participer au rituel? On ne te voit pas là, il y a quoi? Il dit: Oh non, j'étais occupé. Oh, j'étais occupé. Et il ne venait plus. Un bon matin, il est tombé malade. Il est tombé malade, il va à l'hôpital pour chercher de quoi il est malade, mais personne, on ne trouve pas la maladie. On dit la maladie s'appelle A, demain la maladie s'appelle B, après la maladie s'appelle Z. La maladie ne faisait que changer de nom. À un moment donné, ses amis ont dit, écoute, si tu ne viens pas participer au rituel, tu ne vas pas voir la nouvelle année. Ils ont dit, si tu ne veux pas participer au rituel, tu ne vas pas voir la nouvelle année. Ils ne croyaient pas, ils pensaient que c'était de la blague. Et ils ont même fait encore une chanson sur ça. Et cette chanson-là parlait de ça. Dans la chanson, ce jeune-là disait que si tu ne veux pas boire la coupe, le vin, si tu ne veux pas boire le vin, ou si tu ne veux pas boire le vin, tu ne vas pas voir la nouvelle année. Et c'était une chanson. Les gens ont dansé ça. Les fans ont chanté ça sans savoir qu'ils étaient en train de donner un message à leurs amis qui les a quittés, qui ne faisaient plus le rituel. Un mois donné, cet ami est mort en Europe. Ils ont transporté son cadavre dans un cercueil pour envoyer dans son pays. Et ils l'ont enterré dans le même cimetière où on enterrait les filles qui tuaient. La vie sur la terre ici, là, ça a des règles. Il y a des choses cachées, il ne faut pas chercher à entrer là-dedans. Dieu dit travaille assez ton fond. Hein. Faut avoir le peu que tu ailles content de cela. Si ça devient beaucoup, c'est Dieu qui t'a béni. Fonce avec ça, avec humilité. Faut suivre ce que Dieu te dit. Mais ne cherche pas à être pressé, pressé, pressé. Souvent, être pressé, 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 là, ça vous conduit dans la main du diable, dans les pièges du diable, dans la plaie de l'ennemi. Et c'est comme ça que l'un après l'autre, ils sont morts. Il n'y a plus personne. Les quatre personnes sont décédées alors je vous parle. Pour moi, le diable, c'est un mauvais type. C'est un très mauvais type. C'est pour ça que dans la révélation, ce type suivre David ou du genre, il y a quelqu'un dans sa maison qui veut l'empoisonner là. Ça là. Bon, ça peut paraître rigolo. Quelqu'un va dire, oh, c'est un pasteur qui cherche à avoir de l'affection de David. Mais là où ça était parti, où chaque année, l'un après l'autre sortait de mourir. Ah, ça là, ça devient bizarre. Ça devient vraiment, vraiment, vraiment bizarre. Et si c'était un sacrifice rituel? Aujourd'hui, les gens meurent tôt à cause du sacrifice rituel. À cause du pacte avec le diable. Parce que le diable se dit quoi? Le diable se dit que il vous a servi sur la terre en vous donnant la richesse et tout ça, ça vous a fait plaisir. Vous avez fait le buzz, tout le monde vous applaudit. Donc, à un moment donné, il faut que vous veniez me servir aussi. C'est là que je vous parle. En tout cas, je prie que ce ne soit pas ça. Hein. Mais quand même, nous voulons savoir pourquoi chaque année, un doit partir autour des amis de ce cas. De ce stade, la musique. Vraiment, c'est dommage. C'est dommage.
Ça vous propose d'accepter le pacte avec le diable pour avoir du succès vraiment. N'acceptez pas. N'acceptez vraiment pas. Parce que ça ne vaut pas la peine. Je vous assure. Ça ne vaut vraiment pas la peine. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. J'ai plein de choses à faire aujourd'hui. C'est pourquoi je n'ai pas encore tout. Je ne peux pas dormir parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Oui. Il y a d'autres vidéos encore qui vont venir. Il est 2h09 ici, à l'heure où je fais cette vidéo. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Surtout, retenez ce que je vous ai dit. Ne faites pas le pacte avec le diable. Parce que ça ne vaut pas la peine.